Mesdames et messieurs, le troisième conflit mondial est déjà sur son tournant. Alors, les alliés de la Russie viennent juste de se prononcer. Oui, il s'agit du premier allié, le tout premier allié de la Russie, qui est la Chine. La Chine vient de se prononcer plus que jamais à participer en faveur de la Russie dans ce conflit où elle envisage faire face par, bien sûr, la provocation des OTANiens, de l'OTAN, les USA, de l'UE et tous les autres. Alors, la Chine a déclaré officiellement, pas officieusement, mais officiellement, l'envoi de ses troupes sur le sol russe pour aider, pour venir en aide à son confrère Vladimir Poutine. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce que la Chine a déclaré réellement? Qu'est-ce que la Chine a dit? C'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, de vous acquitter humblement à vos droits de contribution à cette vidéoconférence, de la partager plus que jamais. Mettez-la dans tous les groupes possibles, envoyez-la sur vos plateformes de médias et autres, poussez au maximum de cœur et de pouces bleus pour la sécuriser davantage. Laissez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, des étoiles en commentaire ou des roses. Taguez même des gens, écrivez salut, état d'urgence en commentaire. Cliquez sur suivre en bleu juste là et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires et abonnez-vous au maximum. C'est-à-dire, les choses ont changé, les données ont changé. Nous sommes en train de voir la montée en puissance de ce conflit russo-ukrainien. Mais avant d'entrer dans les analyses et décortiquages, permettez-moi de vous donner l'information officielle venant tout droit de la Chine. L'armée chinoise est prête, aux côtés de l'armée russe, à défendre la justice dans le monde. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'heure est grave. C'est ce qu'a déclaré le représentant officiel du ministre de la Défense de la République populaire de Chine, Monsieur Wu Qian. Wu Qian, c'est comme ça qu'il s'appelle. Les forces armées chinoises sont prêtes à travailler avec l'armée russe pour mettre pleinement en œuvre l'important consensus atteint par les chefs des deux États. Donc, il faut que je décortique ça, après on va avancer. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'heure est grave. Donc, selon les informations, la Russie et la Chine, en tout cas la Russie et ses alliés, avaient déjà élaboré un plan sur lequel, si l'OTAN, les USA, comment dirais-je, l'UE, commence à entrer dans le conflit, automatiquement, les alliés de la Chine, les alliés de la Russie vont rejoindre le conflit en faveur de la Russie. Vous comprenez? C'est ça qu'ils sont en train de dire. Je vais relire cette partie. Excusez-moi de la répétition, mais je vais relire cette partie pour que vous puissiez comprendre. Donc, il y avait un plan qui était déjà prévu, qui était programmé, que si ça atteint, si ça remplit le œil, vous comprenez? Si leur calendrier qu'ils avaient programmé remplissait, automatiquement, la Chine va venir soutenir la Russie. Permettez-moi de vous relire ce paragraphe-là. Les forces armées chinoises sont prêtes à travailler avec l'armée russe pour mettre pleinement en œuvre l'important consensus atteint. Donc, l'important consensus, c'est déjà atteint par les chefs des deux États. Il y a un consensus qui avait été mis sur pied que lorsque ça atteint les deux États, bon, ça dépend, je ne sais pas comment ils avaient signé leur accord ou bien quoi que ce soit, ou bien leur relation. Mais, à ce que je sache, ça a déjà atteint son zénith. Voilà. Donc, les militaires de l'APL sont prêts. Your mind, partagez au maximum. Partagez, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Je vous en prie. Partagez. Les militaires de l'APL sont prêts avec leurs collègues russes à défendre la justice internationale et l'impartialité, ainsi qu'à déployer tous les efforts possibles
pour assurer la sécurité internationale et régionale. Your mind. Il faut qu'on décortique ça. Peut-être vous ne comprenez pas. Je vais relire. Parce que là où nous sommes là, la Chine est déjà dedans la maison de la Russie. Vous comprenez? La Chine, ils sont déjà à l'intérieur de la Russie même. Est-ce que vous comprenez comment ça sonne? Je vais relire, s'il vous plaît. C'est très important. Lorsqu'il y a les bonnes nouvelles comme ça, nous sommes tellement heureux. Voilà. Les militaires de l'APL sont prêts. Ce sont les militaires de Chine. Ceux-là qui sont faits pour les appels, voilà, immédiats de, voilà, pour le bataillon d'intervention rapide et autres, dans les hauts cadres, des forts, les puissants dans l'armement. Vous comprenez? Voilà. Ils disent ici, les militaires de l'APL sont prêts avec leurs collègues russes. Écoutez bien, à défendre la justice internationale, déjà c'est un plan international, parce que ce n'est plus une question bilatérale entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, c'est ancré dans le plan international. Vous voyez, l'OTAN vient, les USA viennent et tous les autres viennent. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est en train de parler. C'est déjà dans le domaine, dans l'échelle internationale. C'est pourquoi les décortiquages sont bien. Et l'impartialité. L'impartialité, ça veut dire leur bloc, leur zone qu'ils ont là-bas sur le territoire russe, nord, la Corée du Nord, dans leur secteur là. Leur parcelle. Voilà. Il faut qu'on entre pas à pas. Ainsi qu'à déployer tous les efforts possibles pour assurer la sécurité internationale et régionale. Donc, la sécurité de leur sous-région, là où ils sont, là, ils sont les pays voisins, ils sont les pays frères. Mais ils ne sont pas très loin. Vous comprenez, ils sont bon, voilà, tout autour comme ça, ils ne sont pas très loin. Regardez sur la carte, tapez sur Google Maps, regardez la position de la Chine, la Russie, la Corée du Nord et autres, vous allez voir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'assister à nos yeux l'escalade du grand conflit mondial en live, en direct. Ce n'est pas qu'on va nous dire IAO. Non, c'est ça là, c'est comme ça que c'est. Déjà, ça franchit l'échelle internationale. C'est seulement deux. L'Iran ne s'est pas encore prononcé. La Corée du Nord ne s'est pas encore prononcée. Les autres pays, comme l'Afrique du Sud et autres, bon, ils sont ils sont dans les élections, ils ne se sont pas encore prononcés. Le Brésil ne s'est pas encore prononcé. La Biélorussie ne s'est pas encore prononcée. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, le coquille a cuit d'un côté. Et si tu enlèves le coquille du feu, l'autre côté va se gâter. Si tu laisses au feu, le côté qui est cuit va se gâter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeter. À l'heure là, ça a cuit. Soit on mange, soit on jette. Il y aura moins. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes déjà dedans. Vous comprenez? Donc, c'est cette information que j'avais à vous relayer, partager au maximum. Il fallait que, excusez-moi pour les répétitions, mais il fallait que peut-être je relise une, deux fois pour que beaucoup de personnes puissent comprendre. Je sais que j'ai fait des répétitions, mais excusez-moi. Mais il fallait que je le fasse. Voilà. Partagez au maximum. Poussez assez de cœur et de pouces bleus. Laissez vos avis en commentaire. Surtout, n'hésitez pas d'écrire salut et t'as déjà fait des cœurs, des étoiles en commentaire si vous n'avez rien à écrire. Si vous êtes nouveau sur la page, cliquez sur suivre en bleu et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et abonnez-vous au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.